Bonjour à tous, bienvenue. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse nous rejoindre, que tout le monde puisse se connecter. Alors, on va vous faire patienter un petit peu et puis, dès que la plupart des inscrits sont là, on va démarrer. À tout de suite. Alors, le nombre de participants augmente. On attend encore un tout petit peu. Alors, on va démarrer tout de suite et puis les derniers nous rejoindront. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ces portes ouvertes virtuelles de Subsanté Animale à Montaigu. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Carole Poirier, responsable du centre de formation Subsanté Animale à Montaigu. Donc, Subsanté Animale appartient au groupe Établière. Donc, c'est un groupe peut-être dont vous avez déjà entendu parler, ou alors le nom vous dit quelque chose. Le groupe Établière a plusieurs centres de formation en Vendée. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre centre de formation Subsanté Animale, donc basé à Montaigu. Alors, c'est vrai qu'on aurait aimé vous rencontrer en face à face. Évidemment, les conditions sanitaires ne nous le permettent pas. Mais on ne désespère pas, on espère bien sûr vous rencontrer sur le site dès le 20 mars prochain, la date de nos portes ouvertes, le 20 mars 2021. On aura l'occasion de vous rappeler cette date plusieurs fois dans l'événement. Donc à noter, hein, on serait ravis de vous voir en face à face. Pour l'instant, on va faire par les écrans. Alors voilà, on va vous présenter les quatre formations dispensées à Subsanté Animale. Les quatre formations sont le bébé éducateur canin, le CTM toiletteur canin, vous avez la formation assistant de cabinet vétérinaire et puis les métiers de l'animal de compagnie. Alors, comment va se dérouler ce moment ensemble? Vous allez avoir trois interlocutrices différentes aujourd'hui. Donc, vous aurez dans un premier temps Jennifer qui est responsable de formation et qui va vous présenter la formation éducateur canin et la formation toiletteur. Dans un second temps, vous allez rencontrer Sophie qui est également responsable de formation et qui va vous présenter donc deux autres formations, assistant de cabinet vétérinaire et métier de l'animal de compagnie. Et alors, il y a une troisième partie qui vient ensuite qui est tout aussi importante, la partie administrative et financière. Évidemment, quand on rentre en formation, on a des questions sur nos statuts, sur les financements éventuels, le calendrier de formation, tout le déroulé. Et ça, ce sera Léa. Léa va vous en parler tout à l'heure dans une troisième partie.
On reviendra ensuite, après toutes ces informations données, sur un échange questions-réponses. Donc là, cette partie-là se passera sur le chat. Vous avez peut-être déjà vu, vous avez des bulles avec des points d'interrogation. Ça, c'est la partie chat et c'est là où vous allez pouvoir poser vos questions à l'écrit. Et puis nous tâcherons d'y répondre, toute l'équipe pédagogique de Sup Santé Animale. Alors, des questions sur les formations qui vous ont été présentées, des questions sur les financements ou alors plus des questions globales, générales. Et puis si c'est le cas, j'essaierai d'y répondre à l'oral pour que un maximum de personnes puissent avoir les informations. Alors, dans un premier temps, je vais vous laisser rencontrer Jennifer. Alors, vous voyez que dans une quatrième partie, il y a la cynotechnie. Alors ça, c'est pour vous garder un peu plus longtemps avec nous, si vous le voulez bien. Après la partie questions-réponses, on vous proposera un cours d'initiation de cynotechnie. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est l'occasion de découvrir. Et puis, c'est l'occasion de voir aussi ce que nous balayons comme connaissances, quels sont les sujets évoqués. Et alors, ce sera tourné sous forme de QCM, donc c'est une partie un peu sympathique où vous pourrez un peu tester vos connaissances déjà de base sur le monde animal. Alors, tout de suite, je vous laisse rencontrer Jennifer qui va vous présenter le bébé éducateur canin et le CTM toiletteur. Merci Carole. Donc, je me présente. Je suis Madame Lucas Jennifer. Je suis la responsable de la formation BP éducateur canin, donc brevet professionnel, et donc le CTM toiletteur canin, qui est le certificat technique des métiers en toilettage canin. Je vais vous présenter un petit peu mes formations aujourd'hui et d'abord vous demander pourquoi étudier chez nous? Donc, comme Carole le disait tout à l'heure si bien, nous faisons partie du groupe Etablières et cela fait plus de 20 ans que nous sommes dans le domaine, donc dans le domaine de l'animal. Nous avons une équipe qui sont issues du métier professionnel. Ce sont des gens du terrain, donc qui connaissent les tenants et les aboutissants des formations que nous délivrons aujourd'hui. Nous mettons un point d'honneur à ce que nos formations se fassent en présentiel. Cela permet d'avoir un échange entre vous et nous sur le site, d'avoir une très grande interactivité dans nos mises en situation, pardon, sur les travaux pratiques aussi. De fournir aussi des apports théoriques qui sont assez complets en général, même voire trop, mais vaut mieux trop que pas assez, comme on dit. Le plus de notre centre, c'est que ce sont des formations qui sont sur aussi des effectifs réduits. Elles sont accessibles en formation continue ou initiale, et bien sûr, le tout est encadré par une équipe très dynamique et du tonnerre, quoi. Pourquoi donc une vision, une valeur sur notre site? Nous, ce sont des formations qui sont dispensées par des vétérinaires, des éducateurs canins, des assistantes vétérinaires et d'autres professionnels issus du milieu qui sont au plus proche de la réalité du terrain. Nous accordons une part très importante chez nous au sein du centre sur la progression pédagogique et surtout sur l'accompagnement de nos apprenants tout au long de l'année. Des métiers que nous allons vous proposer sont-ils faits pour vous? Il y a plusieurs facteurs sur lesquels vous pouvez vous poser la question, est-ce que vraiment vous êtes fait pour ces métiers-là? Est-ce que déjà vous êtes capable de vous adapter au rythme des animaux ainsi qu'à la cadence parfois élevée du travail? Il faut être très souvent disponible, très patient aussi, soit envers l'animal, soit envers l'humain, hein, parce que ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir un sens de l'observation qui est important. Il faut aimer le relationnel, le côté commercial du métier. Il faut aussi aimer accueillir le client. Il faut aussi avoir une bonne condition physique, parce que malgré tout, ce sont des métiers où il y a des ports de charges lourdes et où on travaille toute la journée debout aussi. Et le plus important aussi, c'est qu'il faut être capable de mettre une relation de confiance entre le client et son chien.
Donc, si vous avez, vous vous retrouvez dans plusieurs de ces cas de figure cités actuellement, n'hésitez pas à vous lancer dans ces formations que nous vous proposons. Et puis, pour le reste, on sera là pour vous donner les moyens pédagogiques et de terrain pour les acquérir afin de faire de vous des futurs professionnels. Nos formations. Nous en proposons plusieurs. Actuellement, nous en proposons quatre, comme Madame Carole, du moins, elle vous l'a cité tout à l'heure. Donc, nous avons le toiletteur canin qui se fait sur une période de 9 mois. Donc, toutes nos formations, en général, se font de septembre à juin. Donc, à peu près 9 mois. Et nous avons un effectif de 10 places actuellement. Concernant le BP éducateur canin, c'est pareil. Durée 9 mois pour des places, 12 places possibles. Ensuite, donc l'assistant de cabinet vétérinaire, qui est un effectif un peu plus gros, qui est pour 32 places disponibles actuellement, et qui est pareil sur la même durée, 9 mois. Ensuite, le MAC, donc le métier de l'animal de compagnie, se fait sur 2 ans. Donc, ce sont des effectifs réduits d'une classe de 20 élèves. 20 élèves la première année, et puis pareil pour la deuxième année, lorsqu'ils font la continuité pédagogique. Nos formations. Je vais vous parler un petit peu du volume horaire de ce que ça la représente annuellement. Et puis Sophie, tout à l'heure, vous parlera par contre du côté ACV et MAC. Moi, je vous présente le volume horaire pour le BP éducateur canin, qui représente, donc qui est à niveau BAC, donc niveau 4, petit rappel. Le volume horaire annuel, il est de 1239 heures à peu près. Il est réparti comme suit. Vous allez avoir une partie qui va être cours en centre et pratique pour à peu près approximativement 1106 heures. Et vous allez trouver les périodes en entreprise. Donc, qui dit période d'entreprise, ce sont des stages. Donc, 133 heures. Ces stages, pour le BP éducateur canin, c'est 4 semaines. 4 semaines de stage qui vont se faire à cheval sur avril-mai donc 2022. Et vous avez la possibilité de faire ces stages-là en fonction de votre projet professionnel. Il faut que c'est un lien avec votre projet professionnel, soit 4 semaines dans la même entreprise, soit 1 ou 2 semaines dans 3 entreprises différentes en fonction de ce que vous avez envie de découvrir ou peaufiner vos connaissances parce que vous avez des a priori des fois sur une structure. Concernant le CTM, donc le certificat technique des métiers en toilettage canin, vous avez, donc c'est un niveau 3, donc niveau BEP-CAP. Le volume horaire est approximativement aussi le même, donc il est à 1211 heures, réparti comme suit, du cours théorique, de la pratique pour un volume de 903 heures. Des stages en entreprise pour un volume de 308 heures. Donc cela ça fait pas mal de semaines, 3 semaines voilà. 3 semaines au mois de décembre et 6 semaines au mois d'avril-mai, réparties en 2 fois. Par contre, là, différemment du BP éducateur canin, nous demandons à ce que le stage se fasse dans la même entreprise. Pourquoi? Parce que ça nous permet, nous, au centre, surtout à moi, au maître de stage, de voir votre évolution, autant sur le côté pratique et de votre aisance dans le métier, quoi. Alors, je vous fais un petit rappel. Par contre, actuellement, nos calendriers sont en cours de construction. Donc, il peut y avoir une petite variante d'heures, mais ça va varier de quelques heures. Donc, il n'y aura pas d'incidence là-dessus, quoi. Des formations avec des cours communs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le BP éducateur canin et le toiletteur canin vont fusionner pour des cours communs. Vous allez avoir en cours commun tout ce qui va être mathématiques, informatique, vente, cynotechnie, que je vais vous faire découvrir tout à l'heure par un petit quiz. Et la partie la plus importante qui va être sur la création d'entreprise, gestion d'entreprise, le marketing, la communication. Ça, c'est des parties qui sont communes à vous parce que vous allez avoir la création de votre projet professionnel à nous présenter à la fin de l'année. Ensuite, va être des cours qui vont être vraiment distincts pour chaque formation, qui vont être sur, pour le BP éducateur canin, donc l'éducation canine, tout ce qui va être pratique.
Nous, le centre, nous disposons actuellement d'une formation, d'une méthode d'éducation qui s'appelle la méthode CAC. Donc, c'est la conduite accompagnée du chien. Moi, actuellement, pour vos connaissances personnelles et après pour savoir pourquoi vous voulez faire cette formation, je vous encourage à aller voir sur Internet et YouTube et vous découvrez, vous cherchez le docteur Nathalie Simon, donc le docteur vétérinaire comportementaliste Nathalie Simon, qui gère cette formation et qui vous permettra, vous expliquera surtout un peu comment la méthode se présente, comment elle amène le chien à résoudre une problématique. Et c'est surtout ce qui est important, c'est de savoir si vous adhérez à cette méthode au sein de notre centre, parce que sinon, ça peut être, nous n'aurons pas d'autres méthodes. Nous, nous avons la méthode CAC, donc qui est la conduite accompagnée du chien. Donc, allez voir, et quand on sera ensemble un jour, si vous revenez après pour les entretiens, on verra si vous avez fait une recherche, si vous nous avez dit que vous nous avez suivi via aujourd'hui la porte ouverte virtuelle. Le plus, vous allez avoir l'étude d'un logiciel qui va être Evalea. Donc là, qui est bien spécifique à la méthode. Donc, c'est un outil de travail qui aide dans la construction pédagogique pour amener les exercices qui vont être en adéquation avec la famille et pour le chien. Ensuite, pour le CTM toiletteur canin, vous allez avoir une partie anglais. Vous avez un petit volume horaire d'anglais, mais qui est hélas. Ça va quand on est à l'aise, mais quand on n'est pas bilingue, dans un premier temps, ça peut faire peur, mais se passe toujours bien chaque année. Pour avoir un diplôme, vous allez devoir nous faire un petit oral d'anglais à la fin sur votre projet professionnel. Mais ce n'est pas insurmontable, tout se passe bien en général, donc il n'y a pas d'inquiétude, même pour quelqu'un qui ne sait pas très bien parler l'anglais. Et vous allez avoir la pratique. Donc, la pratique, c'est la partie aussi la plus intéressante pour vous parce que vous allez avoir la connaissance du chien, les termes qui vont être tout ce qui va être les standards sur les coupes. Est-ce que c'est une coupe ciseau? Est-ce que c'est une épilation? Est-ce que c'est la tondeuse, le maniement de la tondeuse, le maniement des ciseaux? Vos têtes de coupe. Plein de termes que vous allez devoir qui vont être une réalité parce que nous, on travaille avec des clients de tous les jours, hein, qu'on croise, votre voisin peut-être, client chez nous, hein, et il nous emmène son chien et en fonction de sa demande, parce que des fois, on essaye de mettre une application standard spécifique, puis il y a des fois, il y a des demandes un peu particulières, le client. Donc, on s'adapte, on fait et on s'impose en tant que professionnel dans ce qui est réalisable ou pas. Le plus pour les toiletteurs canins, ça va être l'acquisition d'une mallette pédagogique, donc de toilettage. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, quand vous intégrez la formation, il va falloir que vous soyez équipé. Vous avez besoin d'un minimum de matériel pour pouvoir démarrer. Alors, par contre, je tiens à souligner un petit détail qui a quand même son importance parce que l'investissement, il est quand même de 420 € en plus pour pouvoir intégrer la formation. Mais ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est que tout au long de l'année, il va falloir aussi racheter du matériel. Vous allez avoir besoin de têtes de coupe, peut-être encore d'un ciseau parce que vous allez essayer de nouvelles marques, d'une nouvelle tondeuse aussi. Ça, c'est fort possible. Donc, ça, faut prendre vraiment ça en considération parce que ce sont quand même des frais financiers importants qui peuvent se rajouter à tout ça. Nous recherchons des profils particuliers. Donc, pour toutes les formations que nous présentons sur le site, il faut au moins avoir minimum 18 ans en entrée de formation. Après, pour le BP éducateur canin et le toiletteur canin, mais même pour les autres formations, il n'y a pas vraiment d'âge. L'ACV aussi en fait partie, les MAC moins, mais il n'y a pas de limite d'âge dans nos formations. Vous pouvez avoir 50 ans comme vous pouvez avoir 18 ans, voilà, voire plus. Hein, actuellement, en BP, nous avons des personnes de 53 ans, notre plus ancienne personne apprenante, pardon. Pour le BP éducateur canin, il faut être au minimum titulaire d'un CAP, BEP, BAC, BTS, quelle que soit votre expérience professionnelle. Le CTM, par contre, il n'y a pas besoin d'avoir spécialement un diplôme reconnu à la base.
Ce sont des formations qui sont accessibles en formation continue, en formation initiale, et bien sûr, elles sont ouvertes à toutes les personnes aux demandeurs d'emploi et bien sûr aux salariés. Et le petit plus aussi, ce sont surtout des personnes qui souhaitent créer un projet. Donc ça peut être une création d'entreprise, la reprise d'un fonds de commerce ou du salariat, tout simplement, hein, voilà quoi. Mais le but est quand même de savoir comment vous vous projetez dans l'avenir, quoi. Les réalités du métier. Comme dans tout métier, nous avons des avantages et des inconvénients qu'il faut prendre en considération aussi. Soit des fois on n'en prend pas note et on le découvre au fur et à mesure, mais quand vous intégrez les formations, il vaut mieux en avoir connaissance avant de rentrer en formation parce que sinon ça peut vous faire préjudice lorsque vous les découvrez et puis vous ne vous sentez pas prêt psychologiquement. Donc pour les avantages dans ces métiers-là, nous, c'est que c'est des métiers avec énormément d'autonomie. Vous êtes quand même assez libre de faire comme vous le souhaitez dans votre travail. Vous pouvez gérer votre entreprise comme bon vous semble, vous organisez vos plannings, votre structure comme pareil, toujours bon vous semble. Et ce sont aussi des métiers qui, en plus de l'autonomie que l'on peut exercer, sont des métiers très polyvalents. Parce que si vous êtes votre chef d'entreprise, eh ben vous allez avoir la gestion, vous allez devoir vous occuper de votre comptabilité, de votre partie communication, comment vous faire connaître, la partie vente, parce qu'il va bien falloir vendre vos prestations, vendre vos produits pour certains. Quelques avantages malgré tout. Après les avantages, il y a quand même quelques inconvénients qui sont que ce sont des métiers quand même qui peuvent être un peu pénibles. C'est-à-dire que vous devez travailler tout le temps debout. Les éducateurs, vous pouvez travailler par des temps un petit peu pénibles. Ce qui peut être aujourd'hui une belle journée, mais qui demain peut être avec un mois 4, travailler dehors, travailler sous la pluie, voilà. Mais bon, en général, quand vous aimez votre métier, quel que soit le temps qu'il fasse, ça ne pose aucun problème. Les toiletteuses, il y a un plus qui est le port des charges lourdes, parce que quelle que soit la structure dans laquelle vous allez être, il va falloir porter des chiens toute la journée, et qui peut varier d'un petit chihuahua de 500 grammes, 800 grammes, à un terre-neuve qui va faire son quintal, 95 kilos déjà, c'est pas mal, faut les soulever ça. Quand vous êtes toute seule, vous devenez Madame Musclor, vous voyez, comme ça, vous faites vos petits biceps. La séance de sport, vous n'en avez pas besoin, mais vous êtes content de finir votre journée. Dans chaque métier, il y a aussi, vous devez travailler certains samedis, si vous l'exercez, parce que c'est vrai que comme beaucoup de clients, vos futurs clients, ils travaillent aussi la semaine et des fois, leur disponibilité, elles sont moindres, ils en ont moins. Les employeurs potentiels. Alors, si vous êtes salarié, vous avez plusieurs propositions qui peuvent se faire, qui s'offrent à vous. Dans les éducateurs, vous pouvez travailler alors en refuge, en SPA, pension, que ce soit canine ou féline, en tant qu'éducateur aussi. Et vous pouvez aussi vous spécialiser, parce que vous pouvez aussi travailler en tant qu'éducateur en centre spécialisé. Je prends l'exemple du chien guide d'aveugle. Mais attention, nous, le BP vous donnera un plus, mais quand vous souhaitez intégrer ce centre spécialisé de chien guide d'aveugle, ils vous feront suivre une formation adaptée aux besoins de l'animal par rapport à un problème, du moins à un handicap bien, bien spécifique. Chef d'entreprise, c'est pareil, vous pouvez faire tous ces métiers-là et en plus, peut-être être encore très innovant dans vos métiers, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être aussi développer des partenariats avec des vétérinaires, avec des ostéopathes, avec plein de choses particulières. Un éducateur peut très bien s'associer aussi avec un toiletteur. Donc, le toiletteur aussi, c'est pareil. Il peut travailler dans les métiers qui pourraient être sur un salon fixe. Vous pouvez faire du domicile, c'est-à-dire que c'est vous qui allez au domicile du client avec votre petit matériel, comme un coiffeur. C'est pareil, c'est la même chose. Et puis après, vous avez en itinérance. Alors, l'itinérance, c'est avec votre petit camion. En général, c'est la taille d'un camping-car. Et puis, tut, 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 vous y allez chez le client, devant le pas de porte. Et
Et puis, ou sur les marchés, il y a les marchés aussi. Et puis, vous faites votre petite tambouille, comme sur les marchés, vous appelez le client pour qu'il vous amène vos chiens. Et vous verrez, c'est super quand ça se passe comme ça, parce que les gens sont hyper contents d'avoir cette approche-là. Et surtout, quand on est un peu dynamique, ça met un petit plus là-dessus. Comment s'acquiert le diplôme éducateur canin? Donc, quand vous allez rentrer au sein de notre centre, pardon, nous allons vous inscrire auprès du ministère de l'Agriculture. À partir de là, vous aurez à la fin de votre parcours huit épreuves, dont une de pratique. Ces huit épreuves avec la pratique feraient que vous allez valider 12 unités capitalisables. Donc, ce sont un peu des blocs de compétences pour faire un peu plus simple. Voilà. Et il faudra aussi justifier de 12 mois d'activité dans n'importe quel secteur d'activité professionnelle que vous aurez fait. Alors, pas de panique, si jamais vous ne remplissez pas un de ces critères-là, admettons que vous avez vos 12 mois d'activité et que vous ratez une des épreuves, soit un bloc ou une épreuve complète, il y a un rattrapage qui est organisé. Donc voilà. Si par contre, à l'entrée en formation dans notre établissement, vous n'avez pas vos 12 mois d'activité professionnelle, ce n'est pas grave parce que vous allez pouvoir suivre votre formation, votre cursus normalement. Par contre, au mois de juin, quand vous aurez validé toutes vos épreuves, admettons-vous, vous avez validé toutes vos épreuves, nous allons y mettre une condition suspensive, c'est-à-dire que ça va mettre votre diplôme en attente et vous aurez après, en fonction du nombre de mois qui va vous rester à justifier. Ça se trouve, quand vous allez rentrer au sein de l'établissement en mois de septembre, vous allez me dire, ben moi, j'ai que 8 mois justifiés. Ce n'est pas grave. À partir de là, il faudra justifier les 4 mois restants qui vous restera. Une fois que vous êtes capable de nous les prouver, vous nous donnerez les documents nécessaires. Moi, je me chargerai du reste. Et puis, ce qui déclenchera votre remise de diplôme après, par la suite. Le centre, lui, nous, on met en place tout ce qui va être l'organisation des examens. C'est nous qui créons aussi les évaluations, les plans d'évaluation, et c'est nous qui les faisons passer. Donc, tout se passe au niveau du centre de Montaigu. Concernant le diplôme, donc le certificat par contre du CTM, donc le toiletteur canin, il vous faudra pareil quand vous allez rentrer chez nous. On va vous inscrire auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est la PCMA, donc l'Assemblée permanente des Chambres des métiers et de l'artisanat, qui organise et qui valide les contenus des épreuves. À aucun moment, nous avons un droit de regard sur ce sujet-là. Nous, nous mettons en place après donc l'organisation des épreuves sur notre site et vous serez avec des juges qui seront extérieurs à notre établissement et qui sont habilités par la Chambre des métiers. Pour pouvoir valider votre certificat technique, il faut surtout avoir une moyenne égale ou supérieure à 10 et surtout de ne pas avoir de notes éliminatoires dans une des épreuves que vous allez passer. Vous passez en tout, vous en passez 6 épreuves, dont une de pratique. Donc voilà. Comment dire, j'ai un petit bug. Voilà, je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Donc c'est pas grave. En tout cas, le certificat technique, il est reconnu par l'État et il est enregistré au RNCP. Pour pouvoir s'inscrire chez nous, ça va être très simple. Léa vous en reparlera un peu plus amplement tout à l'heure. Elle va le développer peut-être un petit peu plus que moi. Les inscriptions se font qu'à partir de mi-janvier, sous modalité d'un dossier complet qu'il faudra nous remettre. À partir de là, on va vous convoquer à une petite journée de recrutement. Moi, j'appelle une petite journée de recrutement qui va être organisée sous une forme de réunion d'information collective. Et puis, on vous fera passer des petits tests mathématiques et français. Sous forme de QCM. Après, pour moi, la partie la plus importante sera surtout l'entretien individuel que vous aurez avec moi, une partie en tout cas, qui me permettra de savoir pourquoi vous voulez faire ce métier-là, comment vous vous voyez dans l'avenir, pourquoi
qu'est-ce qui vous a plu? Parce que c'est facile de nous dire j'aime ce métier, non, j'aime les animaux. Et en réalité, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de prendre en compte. Ce que je veux prendre en compte, c'est votre motivation, vos projets professionnels, comment vous me le parlez, comment vous me le vendez et comment vous vous voyez dans un avenir futur. C'est ça qui est important. Voilà, pour moi, en tout cas, dans mes critères que je souhaite faire là-dessus. J'espère avoir été assez claire dans mes propos là-dessus. Je vais passer maintenant le relais à ma collègue Sophie, qui va vous parler des formations ACV et du MAC. Et on se reverra, nous, tout à l'heure pour le petit quiz. Donc, restez, ça va être un petit peu, ça va être super sympa. Donc, restez avec nous. Et maintenant, c'est ma collègue Sophie. Oui, bonjour. Ben, ça va être pas simple hein, de passer après Jennifer. On sent la personne investie dans son métier et qui fait ça avec plein de bonheur. Donc, ça relève bien un peu l'impression que vous pouvez avoir quand vous visitez notre école. Alors, bon, moi, je me présente. Je suis Sophie Binon. Je suis responsable de formation, des formations assistant de cabinet vétérinaire ACV et de la formation métier de l'animal de compagnie MAC. Pourquoi je répète ACV et MAC? Parce qu'en fait, ça va venir dans la conversation, dans ce que je vais vous expliquer. Je vais parfois vous dire ACV et parfois MAC parce qu'en fait, on abrévie ces deux noms de formation et vous allez voir, c'est une habitude chez nous. Alors, on commence par un petit retour sur les formations, comme a fait Jennifer tout à l'heure, donc sur les deux formations ACV et MAC, avec le déroulement pratique et le volume horaire annuel. Alors, le volume horaire, d'abord, je vais quand même le faire comme Jennifer, je vais essayer d'être professionnelle comme elle. ACV, c'est un niveau 4, donc c'est un niveau BAC. Le nombre d'heures de formation annuelle est de plus ou moins 1211, je vais dire plus ou moins, parce que comme Jennifer vous l'a dit tout à l'heure, le calendrier est en cours de finition et c'est important de se dire que ce n'est pas encore figé. Mais vous avez au moins, voilà, à titre informatif, les heures. Donc, les cours sont organisés et, comme pour le BP et le toiletteur canin, avec des cours théoriques et des cours pratiques et une période en entreprise. Donc ici, pour les ACV, c'est 420 heures de stage sur l'année répartie en deux périodes. Alors, pour les métiers de l'animal de compagnie, de niveau 5, je rappelle, le niveau 5 est un niveau BAC plus 2. Je rigole un petit peu parce que parfois je m'en mêle, donc voilà, ça arrive, hein, comme quoi parfois on peut se tromper. Et puis, donc du coup, voilà, j'ai pas fait l'erreur, c'est bien un niveau BAC plus 2. Alors, le nombre d'heures de formation est plus ou moins équivalent et les modalités pédagogiques se passent de la même façon. Donc, on a des cours théoriques et des cours pratiques. Comme disait Jennifer aussi, c'est ici, c'est en présentiel, c'est important parce qu'en fait, les cours pratiques, vous verrez, se passent dans des locaux qui sont vraiment dédiés à la pratique. Et il y a également des périodes en entreprise, donc 308 heures de stage réparties aussi en deux périodes. Voilà. Alors, à l'issue, je vais aller un petit peu plus lentement parce que je sais qu'il y a peut y avoir des petits problèmes de connexion et je vais en parler un peu plus lentement et prendre le temps pour le PowerPoint. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'issue de ces deux formations, vous allez obtenir le même diplôme, donc les assistants de cabinet vétérinaire et les métiers de l'animal de compagnie vont obtenir le diplôme d'assistant de cabinet et de clinique vétérinaire de niveau 4 qui est délivré par l'école des établières. Les métiers de l'animal de compagnie vont, eux, pouvoir valider un second diplôme qui est le titre professionnel de responsable de petite et moyenne structure, donc le titre RPMS qui est enregistré au RNCP. Alors, évidemment, qui dit diplôme commun dit cours en commun, ça va de soi. Forcément, si le diplôme est commun, les assistants de cabinet vétérinaire et les métiers de l'animal de compagnie vont se retrouver dans des cours communs. Donc là, sur le slide que vous voyez actuellement, vous avez un tronc commun avec des cours qui vont de zootechnie à éthologie, en passant par pratique des soins, qui sont communs aux deux formations. Enfin, les cours sont communs.
ajoute pour chacune des formations des cours plus particuliers et notamment pour les métiers de l'animal de compagnie, ce sont des cours qui vont leur permettre de valider le titre RPMS. Donc c'est pour ça que vous allez voir des cours tels que gestion des ressources humaines et financières. Ça peut parfois un peu surprendre hein, quand on le prend globalement comme ça dans une formation pour les métiers de l'animal de compagnie. On se dit, tiens, pourquoi gestion des ressources humaines et financières? Mais ça a un sens en fait, c'est pour valider le titre RPMS. Donc voilà, vous comprendrez un petit peu plus si vous avez le temps d'aller voir sur internet et voir un petit peu à quoi les choses correspondent. Alors, comme pour les deux formations précédentes, il y a des réalités. Et les réalités des deux formations que je vous présente, donc ACV et MAC, sont presque les mêmes que pour les deux formations que Jennifer vous a présentées. Ce sont des métiers de contact. Mais vraiment, j'insiste sur le mot contact, parce qu'il n'y a pas que le contact avec les animaux, mais il y a également le contact avec l'humain. Donc vous allez être en contact continu avec les clients, les éleveurs, les fournisseurs, les vétérinaires, les maîtres des chiens, des chats. Donc, c'est important de vraiment mettre l'accent sur l'aspect communication de ces deux métiers, parce que ce ne sont pas des métiers qu'on pratique tout seul dans son coin. On est tout le temps en contact, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Également la polyvalence des tâches. Ce sont des métiers qui demandent de pouvoir être polyvalents. Sur une même journée, on va avoir plein de tâches différentes. Sur deux jours qui suivent, on va avoir des choses complètement différentes. Il n'y a pas de routine. Ça peut être très très chouette, mais ça peut être aussi un inconvénient parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui aiment beaucoup la routine et qui aiment bien rester à faire toujours des choses fixes. Donc voilà, on le retrouve dans les avantages et dans les inconvénients. Idem que pour les deux formations précédentes, ce sont des métiers où on vous demande de porter régulièrement des charges lourdes. Les chiens ne sont pas tous petits, effectivement, il y a des petits chihuahuas, mais il y a des gros gros chiens, puis il n'y a pas que des chiens, il y a toutes sortes d'animaux, il y a toutes sortes de tailles, donc voilà. Et puis il y en a des lourds, il y en a des pas lourds, et puis il y en a qui se laissent porter, il y en a qui vous aident. Donc ça, c'est la réalité des choses. C'est un métier qui demande aussi évidemment de rester régulièrement en position debout. Voilà, ça va de soi, ben, ça bouge tout le temps. Donc si ça bouge tout le temps, ben, on n'est pas assis devant un ordinateur sans bouger. Donc, voilà. Ça, c'est pour ça que quand Jennifer vous a présenté le slide où on parlait des motivations ou de pourquoi faire ces métiers, on a vraiment appuyé sur ces points déjà. Alors les employeurs potentiels, donc pour les ACV, seront les cabinets, les cliniques et les centres hospitaliers vétérinaires. Pour les métiers de l'animal de compagnie, nous retrouvons les cabinets, les cliniques et centres hospitaliers vétérinaires, puisque le diplôme validé est le même. Mais nous retrouvons également les vendeurs en animalerie, les éleveurs, les pensions, les refuges, etc. J'ai envie de dire que les employeurs potentiels, ça va se développer avec le temps parce qu'on est quand même dans une ère où on met énormément l'accent sur le bien-être animal et sur la constance d'avoir les animaux de compagnie autour de nous. Je vais arrêter avec les formations, mais je vais vous donner des informations complémentaires sur notre centre Subsanté Animal qui est situé à Montaigu. Ça, puisque vous n'avez pas l'occasion de le visiter en live, on va le faire de façon virtuelle. Je donne quelques petites infos. Donc le centre est situé à Montaigu, qui est une ville vendéenne qui est assez étudiante et assez dynamique. Donc c'est une ville où vous allez avoir à disposition tout ce dont vous avez besoin, parce qu'en plus on est vraiment situé au centre. Alors je précise qu'en fait on est près des commerces et près des petits restos, près des snacks, etc., ce qui vous permet d'amener de la nourriture, parce que nous n'avons pas de self ou de restaurant. Maintenant il y a des possibilités de se restaurer sur place, on a des micro-ondes et puis comme vous voyez sur le slide, on a des tables, des chaises, enfin, voilà, il n'y a pas de souci.
Alors, notre établissement est un établissement, moi je dirais vraiment de taille humaine. C'est un établissement où on se retrouve bien, où on est tous ensemble et puis autant les apprenants que les formateurs sont en contact constant. Nous, l'équipe sur place, ben, on essaye vraiment de coucouner les apprenants, on est toujours présent pour eux, on est à leur écoute et c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est de vraiment permettre à chacun de se sentir bien dans sa formation, de se sentir à l'aise. Et quand les gens ont des questions, bah, de venir nous trouver, ça, c'est vraiment le plus important pour nous, pour pouvoir les aider à évoluer et avancer. On avance ensemble, en fait. On n'avance pas, nous, de notre côté, et les apprenants de notre côté. Alors, vous verrez aussi par la suite que le centre dispose de locaux qui sont dédiés à l'enseignement des métiers de l'animal de compagnie, et notamment à l'enseignement théorique, mais vous verrez à l'enseignement pratique. Donc, avant de terminer, je voulais vous inviter à une visite virtuelle de notre centre de formation. Alors, une visite virtuelle parce que ben, malheureusement, on ne vit pas super bien de ne pas vous avoir en face parce que, ben, comme vous avez pu le constater, que ce soit avec Jennifer ou avec moi, on est des personnes de terrain, on n'est pas trop des personnes d'ordinateur. Et quand on a quelqu'un devant nous, on sent vraiment mieux que quand on a un écran et qu'on ne vous voit pas. Donc là, on est un peu frustré parce qu'on a un chat, on voit des messages et puis ben, nous, on ne voit pas votre tête, vous voyez la nôtre. Vous y gagnez, hein, je pense, mais bon. Mais voilà, dans un futur, nous allons organiser une journée porte ouverte. Je pense que Carole l'a dit tout à l'heure, le 20 mars. Donc, on vous y attend de pied ferme et on se fera un plaisir de vous parler en vrai. On sera vachement plus à l'aise. Voilà. Donc, petite visite virtuelle de notre centre de formation. On va y aller tout de suite. Alors, comme je vous disais, nos locaux sont vraiment dédiés à la pratique, à l'enseignement vraiment pratique. Donc, une salle de toilettage, c'est vraiment l'endroit ben, que vous voyez quand vous rentrez dans un salon de toilettage, ben, c'est comme ça. Vous êtes en live, vous pratiquez les choses en réalité. Ce n'est pas de la réalité virtuelle, ce n'est pas quelque chose qui est créé, c'est vraiment en vrai. Il y a des poils de chien, il y a de l'eau, il y a de tout. Enfin voilà, c'est vraiment. De la pratique. Je pense que la salle de toilettage, c'est vraiment ce qui représente le plus l'aspect pratique. Vous avez des salles de cours plus classiques et vous avez notamment un parc à chiens parce que ben, tous les chiens qui viennent au toilettage, mais parfois ils doivent patienter. Et puis ce parc est aussi utilisé pour l'éducation canine. Un amphithéâtre, ça nous permet de donner les cours magistraux. Alors, laboratoire, ben le laboratoire, encore une fois, pour les travaux pratiques. On n'a pas. La salle d'accueil de pharmacie, où ben nous nous trouvons, Jennifer et moi, actuellement. Donc, voilà pourquoi nous avons des médicaments derrière nous. En fait, ça nous permet vraiment de faire des travaux pratiques en réalité. Ça se passe comme dans la vraie vie. Ça permet aux apprenants aussi de voir comment ça se passe en vrai et pas juste imaginer. C'est important. Alors, nous avons une salle informatique parce qu'il y a des cours d'informatique. Maintenant, elle est là surtout en soutien parce qu'on demande aux personnes qui viennent chez nous d'amener leurs ordinateurs personnels. Parce qu'avoir son propre laptop, c'est toujours beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus. On peut bouger avec et puis c'est plus personnel. Mais en même temps, vous avez des outils certainement plus à la pointe que ceux que nous pouvons vous proposer dans notre salle informatique. Ce sont les allées. Alors voilà, ben c'est déjà fini. Ce fut court, mais moi je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de nous permettre d'être là aujourd'hui un petit peu avec vous, de prendre de l'attention pour votre avenir et pour des formations qui peuvent vous intéresser. C'est très important parce que ce sont des formations qui demandent vraiment une implication. Ce sont des formations qu'on ne fait pas par défaut ou par dépit. Ce sont des formations où vous avez besoin d'avoir une motivation très très profonde et ben, vous le verrez, hein. Vous verrez notamment aussi à travers le cours que Jennifer donnera tout à l'heure.
Alors, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Le welcome, c'est parce que je vous invite maintenant à aller retrouver, à retrouver Léa, qui va vous donner des informations sur tout ce qui est financement et tout le côté administratif des formations. Donc, je vous laisse entre de bonnes mains et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Léa Marcille. Je suis assistante de direction pour le site de Montaigu. Donc, mon diapo est en train de se mettre. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter la partie administrative et la partie financière. Donc, je vais rester générale parce qu'en fait, il y en a beaucoup où c'est au cas par cas. Et du coup, là, je vous inviterai plus à me poser vos questions par mail ou à m'appeler dès la semaine prochaine si vous le souhaitez. Alors, le coût des formations. Pour l'instant, comme vous l'ont dit à plusieurs reprises mes collègues, on n'a pas encore le coût de la formation pour l'année 2021-2022 puisque les calendriers ne sont pas figés. Par contre, je vais vous donner, pour que vous ayez un ordre d'idée, les tarifs de cette année. Sachez que si les tarifs augmentent, la hausse sera légère et sera en fonction aussi des heures que nous rajouterons sur le calendrier prévu par rapport à cette année. Donc, vous avez différents tarifs. Le premier, c'est le paiement comptant, si vous payez en une fois. Donc, la formation, par exemple, je vais prendre l'exemple de la formation toiletteur canin. Si vous payez en une fois, le coût de la formation est de 4 308 euros. Quand vous payez en 9 mensualités, donc d'octobre à juin, le montant est de 4 378 euros. Et si vous vous faites financer par un organisme extérieur, le montant, il est de 7 750 euros. Pourquoi ? Parce que, donc deux raisons. La première, c'est que nous, on prend en charge une partie de la formation quand c'est un autofinancement pour qu'un maximum de personnes puissent y rentrer. Parce qu'on a bien conscience que c'est un coût. La deuxième chose, c'est que quand il y a un financement, il y a une charge administrative beaucoup plus conséquente, notamment dans le dossier, le dépôt de dossier, mais aussi le suivi toute l'année et la clôture en fin de formation. Voilà. Vous avez également une colonne à droite où est indiqué les frais annexes. Alors, petit problème, mon diapo, voilà. Alors, vous avez donc 55 euros de frais de déplacement, donc par année pour la formation des métiers de l'animal de compagnie, puisque c'est une formation qui est en 2 ans, et 55 euros pour l'année en assistant en cabinet et clinique vétérinaire. Ces frais de déplacement, c'est pour les sorties pédagogiques, pour les réservations de cars, les formateurs qui vous accompagnent, tous les frais liés aux sorties pédagogiques. Deux petites choses pas notées. Pour la formation d'assistant en cabinet en clinique vétérinaire et la formation des métiers de l'animal de compagnie, on vous demandera de vous procurer d'acheter une blouse blanche qui vous servira pour les travaux pratiques, mais également vous pourrez l'utiliser en stage si votre clinique n'a pas de blouse à vous fournir. Deuxième chose, on vous demandera un chèque de caution à la rentrée de 60 euros car on vous prêtera pendant toute l'année scolaire une trousse de chirurgie pour les travaux pratiques et pour l'examen que vous nous redonnerez en fin d'année. Ce chèque, c'est un chèque de caution, donc on ne l'encaisse pas et on vous le rendra quand vous nous redonnerez la trousse de chirurgie. Concernant les conditions d'admission et le recrutement, donc comme vous le disaient mes collègues, vous avez un dossier de candidature qui est téléchargeable sur notre site internet des établières à partir de mi-janvier. Et qu'il faudra nous renvoyer complet par courrier avec un coupon réponse. Alors, le coupon réponse, qu'est-ce que c'est ? C'est un coupon où vous aurez normalement 3 dates indiquées dessus. Il faudra que vous cochiez la date que vous préférez pour participer à la journée de recrutement dont vous parlait ma collègue Jennifer tout à l'heure. Suite à ça, moi, je vous envoie une convocation par mail, vous indiquant si votre dossier est complet ou non, et vous indiquant à quelle heure et quel jour vous devez vous présenter, puisque vous choisissez une date, mais en fonction de la date où vous nous renvoyez votre dossier, cette date peut être complète. Et donc, dans ces cas-là, on vous inscrira à une des 2 autres dates.
Voilà, donc je ne reviens pas en détail sur cette journée. Voilà, concrètement, réunion d'information collective, test d'expression écrite et de mathématiques. Alors là, c'est pour évaluer votre niveau, ce n'est pas éliminatoire. Et ensuite, le plus important pour nous, l'entretien individuel. Ensuite, quand les trois journées sont passées, donc on n'a pas encore, pareil, vous aurez les dates à partir de mi-janvier quand vous téléchargerez le dossier. En général, on essaie de mettre les dernières journées de date de recrutement fin mai pour la CV, la formation des métiers de l'animal de compagnie. Et mi-juin, dernier délai, on essaye pour les formations de toiletteur canin et du BP éducateur canin. Voilà, donc quand toutes les dates sont passées, dans les 15 jours qui suivent la dernière date, on vous envoie par courrier le résultat. Donc soit un dossier d'admission, soit une lettre indiquant que vous êtes en liste d'attente, ou alors un refus. Généralement, on essaie de l'envoyer début juin parce qu'on sait que vous êtes pour beaucoup inscrit sur Parcoursup, par exemple, et donc on ne veut pas vous bloquer dans vos choix si jamais vous êtes en liste d'attente ou si jamais vous avez un courrier de refus. Concernant la partie financement, donc là pareil, je vais rester assez général dans mes propos, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, vraiment. Donc, pour les moins de 26 ans, où aller pour se renseigner si vous souhaitez voir si un financement est possible? Moi, je vous invite à aller voir la mission locale. C'est gratuit, il y en a dans toutes les communautés de communes. Vous appelez, vous prenez rendez-vous et vous pouvez vous faire suivre par un conseiller. Si vous avez plus de 26 ans, dans ces cas-là, vous pouvez voir avec votre conseiller Pôle emploi ou directement avec un financeur extérieur. Donc ça peut être la région, ça peut être Transition Pro si vous êtes intérimaire, si vous êtes travailleur intérim ou si vous êtes salarié. Voilà, il y a plein d'organismes extérieurs différents. Là, pareil, demandez conseil à votre conseiller Pôle emploi. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler pour m'expliquer votre situation et on pourra voir ça plus en détail ensemble. Nos formations qui sont éligibles au CPF, vous pouvez mobiliser vos heures sur le site Mon Compte Formation. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est toutes les heures que vous avez acquises en travaillant. Donc, il faut vous créer un compte. Je vous invite aussi à vérifier que vous ayez bien toutes les heures cumulées, qu'il n'y ait pas eu d'oubli. À savoir que si vous décidez de mobiliser vos heures sur Mon Compte Formation, il faudra payer intégralement les frais de formation sur le site internet avant de démarrer la formation. Enfin, vous avez la possibilité de percevoir les droits au chômage pendant la formation. Donc dans ces cas-là, pareil, je vous invite à voir avec votre conseiller, mais pour toutes nos formations, si vous avez des droits au chômage, vous pouvez les percevoir pendant la formation. Voilà, petit détail, mais qui a son importance, surtout quand on ne peut pas avoir de financement. Enfin, les informations générales. Donc, vous avez, concernant le planning en cours de formation, il est affiché sur un panneau dans le hall de l'accueil et il est également sur Internet. Donc ça, on vous précisera où le trouver si vous êtes admis et à la rentrée, parce que notre planning, il varie chaque semaine. En effet, on a des professionnels, donc ça, c'est un sacré atout parce qu'ils savent de quoi ils parlent, mais c'est vrai que parfois, leur planning extérieur fait que l'emploi du temps peut varier. On essaye d'éviter au maximum, mais ça arrive. Dans ces cas-là, on vous prévient par mail, c'est sur Internet et c'est sur le tableau d'affichage. Une semaine type, c'est 35 heures de cours et le travail personnel. Donc, le travail personnel, c'est aléatoire. Ça peut être une demi-journée, un quart de journée, une journée, en fonction des semaines. C'est compris dans les 35 heures par semaine, avec des horaires de cours qui vont de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15. Vous avez une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi, avec, comme vous le disait ma collègue Sophie, la possibilité de vous restaurer sur place. On n'a pas de self, mais il y a des tables, des chaises, il y a tout ce qu'il faut pour déjeuner. Ensuite, concernant le logement, je sais que c'est une question qui revient très fréquemment aussi. On n'a pas d'internat. Par contre, deux choses. La première, c'est qu'on a une base de location, des locations proposées par des particuliers qu'on donne, donc en général à la journée de recrutement sur demande, ou quand on a un dossier de candidature complet. Cette base, on essaie de la mettre à jour tous les ans. Et donc, on propose dedans des studios, des appartements, enfin, mais les particuliers proposent des chambres chez l'habitant, des studios, des appartements, toute gamme de prix. Donc, les démarches après à faire, elles sont indépendantes. On vous fournit la base, c'est une aide qu'on vous apporte, mais ce n'est pas à gérer par nous.
Même principe pour la résidence sociale Le Bois Blanc, donc qui, elle, appartient au groupe établi hier, donc qui appartient au groupe dans lequel on dépend. Cette résidence, elle est à 5 minutes en voiture de l'école. Par contre, les démarches, elles sont indépendantes également. Si ça vous intéresse, si les tarifs, si vous voulez vous renseigner dessus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou à contacter le groupe établi hier par téléphone et on vous donnera les informations. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère vraiment pouvoir vous voir en face à face à nos portes ouvertes du 20 mars prochain. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Et puis, je vais vous repasser Carole qui va voir avec vous si éventuellement vous avez des questions. Je vous remercie. Merci, merci Léa pour les informations. Merci également à Sophie et Jennifer. Alors ça y est, c'est parti sur le chat. Je vois que ça fonctionne bien. Les gens posent leurs questions. Donc voilà, on est 4-5 sur le coup. Alors essayez de patienter un petit peu, hein, le temps qu'on puisse toutes vous répondre chacune. Alors, je me dirige vers le chat. Voilà, on reçoit pas mal de questions. Au niveau de la formation ACV, je peux faire un rappel, hein, ça coûte rien. La formation ACV qui se déroule sur un an et la formation MAC, métier de l'animal de compagnie, qui est bien sur 2 ans. Hein. Vous validez un diplôme et un titre sur 2 années. C'est ça la différence entre les deux. Si vous êtes en formation métier de l'animal de compagnie, vous pouvez parfaitement ensuite postuler pour être assistant de cabinet vétérinaire. Pas de problème pour ça. La différence avec la formation MAC, c'est comme vous passez le diplôme de responsable de petite et moyenne structure, on est sur une cible d'élèves qui aspirent à monter un projet. Si vous voulez, c'est ça, quand vous obtenez le titre RPMS, il y a derrière souvent le projet de création de structure. Alors, je vois que voilà, certaines personnes s'y voient déjà et demandent est-ce qu'on peut avoir son propre chien. Donc, je vois que mes collègues sont en train d'y répondre. J'imagine que la question est peut-on amener son propre chien chez Subsanté Animal? Alors, la réponse est oui, mais le mais est énorme. Sous certaines conditions, bien sûr, sous réserve de l'accord de l'équipe pédagogique. Voilà, on peut emmener ces animaux à Subsanté Animal, on ne fait pas ce qu'on veut pour autant. Voilà. Bien sûr que c'est toujours un plaisir d'avoir vos animaux en cours, en éducation, puis en toilettage, c'est pratique aussi. Mais voilà, sous réserve, sous certaines conditions. Alors, la formation MAC, elle existe depuis longtemps. Elle existe depuis une petite dizaine d'années. Elle ne s'appelait pas de la même façon. Elle s'appelait DECP, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle a changé de nom. En moyenne, on reçoit pas mal de dossiers parce que, comme vous disiez mes collègues, on est sur 20 places. Donc, oui, on a facilement 40, 60 candidatures. Ouais. Voilà, je laisse mes collègues répondre hein, quand c'est un peu plus précis. La CACED. Je vois qu'il y a une question également, je crois qu'elle est pour Léa, celle-ci, au niveau des aides pour la location. J'imagine que c'est la location d'appartement dans les résidences peut-être. Voilà, je vais laisser Léa vous répondre personnellement pour ça. Oui, alors au niveau des aides, j'essayais d'y répondre, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. Au niveau des aides, du coup, c'est la CAF, les APL. Enfin, il faut voir avec les organismes si vous pouvez avoir des aides. Pour la résidence Le Bois Blanc, je sais que les APL, c'est possible dès le premier mois.
En ce qui concerne les logements proposés par les particuliers, je ne peux pas vous répondre. Là, il faut voir au cas par cas, il faut demander, c'est en fonction de votre rémunération. Enfin voilà, si vous pouvez bénéficier des APL, normalement, il n'y a pas de souci. Pour la résidence, c'est sûr que oui. Et encore une fois, pour les logements des particuliers, c'est à voir directement avec la CAF et avec le particulier. Merci Léa, c'est très bien, n'hésitez pas les filles également, Jennifer, Sophie, si vous voulez ouvrir votre micro et intervenir, il n'y a aucun problème, des fois on s'en sort beaucoup mieux à l'oral, donc il ne faut surtout pas hésiter. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions, mais on est contente, c'est bien, ça veut dire que ça vous a intéressé, ça veut dire que vous avez suivi et que potentiellement vous vous projetez chez nous, donc c'est super. Doit-on réaliser des stages en milieu vétérinaire avant l'entrée en formation? Il y a un stage préalable, oui. Il y a un stage préalable de prévu, tout à fait, pour la formation ACV. Je laisse Sophie répondre avec plus de précision. Je me permets une information. Je laisse bien sûr ma collègue Sophie, responsable de formation, répondre à cette personne. On a une question sur les coûts de formation. Je pense que Léa a dû l'avoir au niveau des tarifs. Alors, comme je le disais pour les tarifs, donc là, je vois une personne qui me remercie pour la présentation de l'utilisation du compte CPF. De rien, c'est avec plaisir parce que c'est hyper important. Je pense que c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas assez de communication. Mais quand on a travaillé, on a tous le droit d'utiliser nos heures CPF. On a tous le droit de le mobiliser. Juste, voilà, le petit détail important, comme je vous disais, c'est qu'il faut absolument, par contre, payer, enfin, en tout cas, ça a commencé cette année, l'année prochaine, on verra, mais payer l'intégralité de la formation avant sur le site Internet. Et nous ne recevons pas directement les fonds. Donc, ça ne vient pas de nous, en fait, c'est indépendant de nous. Je sais que ça peut être un coût important à verser d'un seul coup. Malheureusement, là-dessus, on ne peut rien faire. Concernant les coûts de formation, comme je disais, j'ai évoqué les tarifs 2020-2021. Pour l'année prochaine, on ne les a pas encore définis, mais vous les retrouverez tous sur le dossier de candidature qui sera téléchargeable à partir de mi-janvier. Donc normalement, ce sera sensiblement les mêmes tarifs. Comme je vous disais, s'il y a une augmentation, c'est vraiment parce qu'il y a aussi une augmentation d'heures ou une augmentation de charges, mais on n'ira pas du simple au double, quoi. Voilà. Merci, merci Léa. Alors ce qu'on va faire, moi ce que je vous propose, je vais passer à ma slide suivante au niveau du contact. Vous continuez à poser vos questions, il n'y a pas de problème. Donc déjà, on vous remercie bien sûr pour votre participation. On est ravis d'avoir pu vous présenter notre centre de formation, notre équipe pédagogique et nos formations. Je vous mets pour rappel sur la slide le contact. Donc faut, comme Léa l'a dit, n'hésitez pas pour les questions, les renseignements. Vous pouvez nous joindre à l'email subsantéanimal.montaigu@etablière.fr. Il y a également le numéro de téléphone qui appartient au siège. Hein. Vous arrivez à La Roche-sur-Yon et il vous transfère l'appel à Montaigu. Et puis le site internet www.etablière.fr aussi. Vous pouvez récupérer beaucoup d'informations intéressantes, les plaquettes, comme disait Léa, après, à partir de janvier, vous pourrez récupérer les dossiers. Donc, n'hésitez surtout pas, il faut demander. On est là pour ça, on répond aux questions et c'est souvent du cas par cas, comme on l'a déjà dit. Donc, voilà, on fera de l'individuel et puis on essaiera de vous éclairer au mieux pour votre projet professionnel. Je vais lancer le cours de Sinotechnie avec Jennifer. On va démarrer et ce qui va se passer, je vais la laisser se préparer tranquillement. Mais nous, de notre côté, en fait, on va continuer à répondre sur le chat. Voilà, donc c'est pour ça que je dis n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. Jennifer va vous présenter le cours de Sinotechnie. Et puis nous, on va tâcher de répondre à chacun et de bien prendre le temps, voilà, pour les réponses. Merci beaucoup. Alors, je suis de retour. Hop. Est-ce que tu me vois ? Ok. Alors.
alors on va faire un petit quiz donc de cynotechnie ensemble. Je vais mettre à l'épreuve vos connaissances sur l'animal, sur les maladies, voir comment cela peut se dérouler. Alors je vous rassure, hein, c'est pas éliminatoire, hein, vous n'allez pas vous faire recaler à la rentrée si vous avez mis votre candidature et puis que j'ai repéré votre nom dans les questions et dans vos réponses que vous avez fournies. Donc non, je vous rassure là-dessus. Ne soyez pas inquiets, il faut faire ça dans la détente, vous êtes là pour vous amuser un petit peu avec moi, et puis on va voir la suite quoi. Alors, je vais, mon diapo ne veut pas partir pour la suite, hop. Voilà, donc la première diapo devrait arriver normalement, est-ce que vous la voyez? Oui, alors de quelle race s'agit-il d'après vous? Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez la réponse A qui est un berger allemand, la réponse B qui est un bosseron, la réponse C qui est un berger belge malinois. Alors, réfléchissez un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vais vous donner quelques indices qui peut-être vont vous permettre de savoir comment vous orienter. Je peux vous dire que c'est un chien qui est sportif, qui est très travailleur et qui est en général, allez ça c'est une petite option, un petit plus, qui est souvent utilisé par les forces de l'ordre aussi. Donc, alors, est-ce que vous êtes capable de m'apporter quelques petites réponses? Est-ce que vous voyez, est-ce que les filles peuvent me guider un petit peu? Parce que moi, je ne vois pas vos retours, donc je ne sais pas s'il y en a qui répondent ou pas. Donc, est-ce que là-dessus, j'ai un retour? On me dit que oui, apparemment. Alors, moi, je ne vous vois pas. Hein, donc, ça va être Sophie. Je vais demander à ma collègue, hein, Sophie. Sophie, oui. Peux-tu regarder, s'il te plaît? Oui, je regarde les réponses. Ah oui, oui. Alors, c'est quoi la majorité? On me dit que c'est... Allez. Que c'est là, c'est cela, voilà, exactement, voilà. Une réponse bonne déjà pour une majorité d'entre vous. Ensuite, je vais vous passer une autre diapo qui est ici, pareil, la même présentation, boxer, charpet, bulldog anglais. Quelques petites caractéristiques sur ce chien, donc qui est un chien indépendant, assez proche, qui s'adapte très bien à la vie de son maître. Par contre, qui peut avoir des problèmes de sociabilité avec, ses congénères. Il peut se montrer assez agressif certaines fois. Donc, c'est un facteur à prendre en compte. Alors, dans les réponses, qu'est-ce qu'on me donne le plus? Ça ne vient pas encore. Alors... Allez-y, on me répond C, une majorité c'est de C, hop, on me dit que c'est du B, donc soit là on hésite entre du charpet et du bulldog anglais, voilà. Donc là, la majorité fait sur du B, le charpet, je vous confirme qu'effectivement c'est le charpet sous cet angle. Ensuite, troisième race, on va passer sur du plus gros gabarit, donc du Saint-Bernard, du Terre-Neuve ou du Montagne des Pyrénées. Donc, d'après vous, quels sont ces critères? Donc, c'est un chien très travailleur qui aime l'eau. On me répond une majorité de B. Eh bien, effectivement, je vais enlever le suspense tout de suite. Voilà, la réponse est bien B. C'est un Terre-Neuve, un gros pépère, donc voilà, que vous pouvez rencontrer en éducation et surtout au toilettage. Nous avons une majorité de ce genre de chiens qui ne sont pas faciles à faire chez les clients parce que la baignoire n'est pas assez grande. Voilà, c'est en général ça. Et la douche, on n'en parle même pas. Hein. Alors là, donc voilà, on va passer à l'image suivante. Là. Je réduis le volume, du moins la taille, et je vais vous présenter le petit chien présent ici, qui est soit un teckel, soit un jack, soit un petit scottish terrier. Donc, tout le monde, on me répond que c'est du C. Alors, si je vous dis qu'effectivement, c'est un chien de chasse, du B, là, voilà, là, j'ai du B, j'ai du C. Effectivement, donc c'est un petit chien de chasse qui est très, très confiant dans sa prestation, hein, en général. Alors, lui, c'est pareil, hein, il voit un gros chien, il n'a pas peur. Hein. Le Terre-Neuve à côté, pour lui, c'est peanuts. Hein, ça ne l'impressionne pas du tout. Donc là, j'ai une majorité de A, B, C. Donc en réalité, c'est le A, c'est du petit teckel à poil dur que là, vous présentez. Ce qu'il faut savoir, c'est que le teckel se ressemble tous plus ou moins. C'est juste le poil qui change. C'est soit là, ici, vous avez sur la photo un petit teckel à poil dur, c'est-à-dire que c'est épilable. Sinon, ils ont un poil très lisse, très fin, tout simplement. Alors,
Maintenant, on va passer sur une nouvelle catégorie de questions qui vont être, là où je vais vous amener la chose, ça va être sur les groupes. Les groupes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que voilà, la diapo n'apparaisse plus ou moins, je vais vous parler des groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la FCI, donc la Fédération Cynologique et Internationale, qui divise les espèces de races canines en 10 groupes, et dans lesquels on met des aspects physiques, une morphologie et un trait de caractère et une compétence. Donc là, vous avez plusieurs, je vous ai cité les 10 groupes. Donc, dans le groupe numéro 1, donc vous trouvez les chiens de berger et les bouviers. Donc, ce sont des chiens de travail qui sont très intelligents, qui ont une capacité naturelle à rassembler du bétail. Voilà, pour vous donner quelques indices. D'après vous, dans les chiens qui sont cités, dans les races qui sont citées là actuellement, lequel vous mettriez dans le groupe 1? Dans le groupe 1, donc personne répond? Ah, on va attendre encore un petit peu quand même. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse les lire. Vous avez soit le Whippet, l'Espagnol breton, le Griffon vendéen, le Bichon frisé, le Fox terrier, le Boxer, le Berger allemand, l'Akita Inu, le Teckel et le Cocker anglais. Alors, est-ce que vous avez... On a un petit décalage apparemment. Ma collègue me dit qu'on a un petit décalage dans les réponses, donc on est encore sur la diapo d'avant. À moins que vous hésitez à répondre. Ah. Voilà, apparemment, cela arrive. Donc, ma collègue, elle me dit que j'ai une majorité dans le groupe A. On me dit soit du Whippet, soit du berger allemand. Donc, la réponse va être le berger allemand. Voilà, donc pour ceux qui savaient, c'est peut-être déjà des fins connaisseurs de la race. Hein, donc, ils savent déjà aussi peut-être cette connaissance-là. Ensuite, dans le groupe numéro 2, donc les molosses, ce sont des chiens destinés, en général, qui étaient destinés à des chiens de combat. Ils sont très puissants. Par contre, ils ne sont pas vraiment endurants. Donc, quelle race metteriez-vous dans ce groupe-là? Donc, j'attends encore un tout petit peu parce que ma collègue me dit encore qu'il y a un petit décalage. Donc, on va attendre. C'est ça. Alors, dans le groupe 2, on me dit la majorité, c'est de l'Akita Inu. C'est ça, tout le monde me dit à peu plus. Il y en a une qui dit. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, c'est bien pour la personne qui s'est mouillée, Barbara, voilà, qui a pris le risque de répondre, mais c'était... Les autres arrivent. Ah, d'accord. Donc, la réponse, c'était le boxer. Ah ben c'est bon pour Virginie et Anaëlle. D'accord, Virginie et Anaëlle, eh ben super, vous aviez bien répondu. Puis, donc voilà. Ensuite, le groupe 3. Celui-là, c'est assez facile, je pense, à mon goût, pour moi en tout cas. Le groupe 3, donc le groupe des terriers. Donc, c'était des chiens qui étaient destinés à lutter contre les rats. Ils ont été longtemps employés pour l'élimination de cette vermine dans les fermes, les écuries, dans les bateaux. Alors, dans les restants qu'il y a, d'après vous, quelle race de chien pourriez-vous mettre? Je pense que celui-là, il est donné quand même, presque. Les deux à suivre vont être donnés. Vous devriez savoir, normalement, si vous faites. Tout le monde répond non. Oui, oui. Donc tout le monde me répond à une partie, le E, effectivement, c'est le fox terrier. Donc très bonne question, et du moins très bonne réponse pour la majorité d'entre vous. Ah, qui c'est qui m'a répondu? C'est Marion. Marion, un griffon vendéen. Non, ce n'était pas ça, c'était le fox terrier. Le groupe 4, les teckels. Alors là, je pense que si vous vous trompez... Alors, Edwidge a répondu, les teckels ou les i, donc et Fox. Pour le groupe 4 ouais, les autres, le non, groupe, non, ça doit être encore un petit décalage, oui, voilà, donc le groupe 4, il est facile, effectivement, teckel, il n'y a pas, étant donné qu'il n'y a qu'une seule race, c'est juste le poil qui change, voilà, et sinon, il reste sur la même forme, plus ou moins identique, ce petit teckel. Le groupe 5, là, j'ai appuyé trop vite, je vous ai donné la réponse, je viens de craquer ma réponse sur le primitif, donc c'était des chiens primitifs. Donc là,
Tant pis, voilà. Bon, peut-être que tout le monde savait, a fait un petit peu le rapprochement. Donc, c'est l'Akita Inu qui fait partie de cette catégorie-là. Donc, on va passer à la question, le groupe 6, sur les chiens courants, les recherches de sang. Alors, d'après vous, ces chiens courants, ces chiens, voilà, qu'est-ce qu'ils sont, leur capacité, c'est de poursuivre le gibier jusqu'à l'épuisement. Ce sont des chiens qui sont très endurants et qui sont capables de chasser des gros gibiers. Alors, d'après vous, est-ce qu'on est capable de me dire, le groupe 6, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, 6, oh, bah, non, elle est en retard, c'est jeune fille. C'est... Alors, oui, mais voilà, qui c'est qui me répond pour le groupe 6 ? C. 6, on me dit que c'est le C, d'accord. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres ? C, ok. Ok. Donc, la réponse, il y en a une qui me dit B, l'épagnol breton. Allez, fin du suspense. C'était la réponse C pour le griffon vendéen. Le groupe numéro 7 qui fait partie des chiens d'arrêt. Donc ce sont des chiens avec beaucoup d'énergie qui sont assez sympathiques en général et qui actuellement sont aussi des chiens qui sont vraiment adaptables dans le milieu urbain et on en fait en général aussi des chiens de compagnie actuellement. Alors, est-ce que y a-t-il des réponses ? Groupe 7. B. Alors, B, 7, j'ai du B. J'ai du... D. Du B, ok. J'ai vu un J aussi de Emma. Oui, j'ai vu un J de Emma, effectivement. Alors, la réponse... Marion dit que je crois que je suis à la bourre. Non, c'est il y a un décalage. Oui, Marion, effectivement, vous devez avoir un petit décalage entre vos réponses que vous nous donnez et nous, parce que voilà, vous êtes toujours sur les anciennes diapos. Mais il n'y a pas de souci, c'est très bien de participer, hein, c'est même super. Hein, donc, continuez, il n'y a pas de problème. Donc, on me répond le cocker, effectivement. Donc, effectivement, non, ce n'était pas cette réponse-là, pardon, mais c'était le l'épagnol breton. Voilà. Pour groupe 8. Donc, Manon a mis groupe 8 cocker. Groupe 8 cocker, là, anticipé Manon, effectivement, c'est très bien. Donc le groupe 8, ce sont des chiens de chasse, effectivement, qui pareil viennent à devenir des chiens un peu plus de compagnie qui sont aussi des très bons chiens. Donc on me répond une grosse majorité. On me dit autrement du D8, D du bichon frisé en rapporteur de gibier. Alors, non, non, ça me fait sourire hein, parce que moi, je connais bien le bichon. Donc, en chien rapporteur de gibier, c'est, voilà, ce serait un trait de caractère, mais qu'il ne possède pas. Mais c'était bien, voilà, le groupe 8, c'est le cocker anglais. Donc, pas de problème là, à ce sujet. Alors, par contre, le groupe 9. Le groupe 9, ce sont des chiens d'agrément et de compagnie. Donc, ça veut dire que ce sont des chiens qui s'adaptent très bien à la vie de famille. Ce sont des petits compagnons super faciles à éduquer et puis à vivre. Donc, les réponses, on me répond groupe 9, bichon. Voilà, on attend encore un tout petit peu. Allez-y. Il ne reste plus beaucoup de réponses. Hein, donc, voilà. On me répond oui, voilà. Donc les trois quarts, là, voilà, Edwidge, pardon, Manon, Virginie, tout ça, voilà, Sonia. Effectivement, vous avez toutes bon à ce sujet, c'est le bichon frisé. Alors le dernier est extrêmement facile, hein, donc c'est le lévrier, donc on met dedans le petit whippet, hein, parce que c'est un petit, c'est pas très grand comme chien, donc on vous met effectivement dans ce groupe-là les lévriers, les whippets. Alors, il y a d'autres questions qui vont arriver, là je vais vous parler après des maladies, mais là actuellement, je vous encourage à aller voir, si vous ne connaissiez pas certaines races qui ont été citées, hein, parce que c'est possible, je vous encourage d'aller voir sur Internet un peu, voir comment, à quoi ils ressemblent, histoire que vous les mémorisiez, et puis que ça peaufine votre connaissance sur le sujet. Alors, maintenant, je vais vous parler des maladies. Alors, d'après vous, quel terme utilise-t-on pour dire qu'une maladie est transmissible à l'homme par l'animal ? Vous avez trois réponses possibles. Vous avez A, épidémique, B, zoonose, C, parvovirus.
Alors, retard. Voilà, il y a un petit retard. Voilà, ma collègue m'a dit il y a quelqu'un qui a répondu F. On n'est plus sur la même diapo, donc là, voilà. Donc c'est pas grave, on va attendre. Allez, est-ce que vous êtes capable de me dire voilà quel terme est utilisé pour une. On me dit C ou B. Les trois quarts, voilà, le retour se fait sur du C et du B. Donc la réponse, c'est on appelle ça le terme utilisé, c'est de la zoonose. C'est une zoonose. Je vais vous citer plusieurs maladies ci-dessous et il va falloir me répondre si elles sont transmissibles à l'homme ou pas. La rage, d'après vous, est-elle transmissible à l'homme? C'est bonus, hein. Normalement je pense que tout le monde connaît cette réponse, donc j'attends encore un petit peu. J'attends encore un petit peu, allez-y, vous pouvez réfléchir, voilà, on est toujours... Voilà. Je vais vous laisser le temps de voir un peu vos retours à ce sujet. Alors, vous savez pas ? Ah, Barbara nous répond que oui, c'est transmissible. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se... Oui, ça y est, vous arrivez tous là, effectivement. Donc effectivement, je vous confirme, la rage est transmissible à l'homme. La rougeole est-elle transmissible ou pas? Ouais, je vais attendre un petit peu parce que là, il y a un petit décalage. Donc, pour la question 2, vous marquez 2, B, C, voilà, pour la question, vous m'identifiez devant le numéro de la question, devant votre réponse, histoire que, voilà. Ça commence, oui. Alors, effectivement, bien, vous avez été assez réactif, super. Donc, on me met que c'est question 2, oui. Oui, oui. Eh ben non, perdu. Ah, il y en avait une. La même question. Ok. Donc, il y en a qui ont peut-être un petit décalage. Bon, effectivement, la rougeole, ce n'est pas transmissible. Le chien ne peut pas nous la transmettre. Hein. C'est nous qui l'avons et ce n'est pas le chien. Ensuite, la gale. La gale, d'après vous, est-elle transmissible à l'homme ou pas? Mettez petit... petit C, voilà, au pire, C, ouais, plutôt, peut-être ouais, comme ça. Non, non, pas rougeole. Ah oui, voilà. Question de... Non, ah oui, voilà. Bah, oui, B, oui. Alors, mettez C maintenant, faites le C devant et marquez O ou N. Comme ça, on va comprendre assez rapidement. Ouais. Donc, j'attends un petit peu, j'attends un peu votre retour, pardon. Voilà. C'est alors, c'est oui, c'est oui, c'est oui, oui, superbe. C'est. Ouais, c'est. Ah, il y en a qui me disent non, il y en a qui. Tac, tac, oui. Donc, effectivement, la gale est transmissible à l'homme. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a. Il doit y avoir trois gales différentes, dont une n'est pas transmissible à l'homme, mais les autres le sont. Ensuite, le ver solitaire. Est-ce que vous êtes capable de me dire oui? Alors, mettez D pour la réponse que je vois. Et puis, des O ou des N, on comprendra avec ma collègue. Je suis désolée, je remets un petit peu ma petite laine. Voilà, il fait frais dans mon petit, dans notre laboratoire. Donc, alors, on est encore sur la réponse C. Donc, alors... J'attends encore un petit peu pour savoir, d'après vous, le ver solitaire est-il transmissible à l'homme? On me répond que oui, Charline. Marion me dit que non. Oui. Eh bien, la réponse est oui, le ver est transmissible à l'homme. D'où l'importance de bien vermifuger ces animaux aussi, quoi. Les oreillons, d'après vous? Vous mettez E, oui ou non. Hop. Alors. Ouais. On attend un tout petit peu le décalage, étant donné que vous puissiez avoir vos réponses. Mmh. Là, tu vois, Manon, il est certain avec vous, mais pas de leur solitaire. Alors, on me dit non,
Là, ça devrait arriver. Non, 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 oui. C'est très bonne réponse, c'est bien ça. Il n'y a, ce n'est pas transmissible à l'homme. La teigne, d'après vous? F, toujours, la réponse F. On attend encore un tout petit peu, mais d'après vous, la teigne. Il en reste encore une après et ce sera d'autres questions. Après, c'est terminé. D'après vous. Alors, la teigne. Oui, donc nous, on veut de la F. Alors, on a un tout petit décalage qui est normal aussi. Vous aussi, vous pouvez avoir un décalage. F, j'ai un oui. Alors, la teigne F. J'ai eu un oui. Un oui. OK. Oui. Oui, il y a des petits décalages. Oui, oui, oui. Donc voilà, ça y est, ça arrive. Donc effectivement, la teigne est transmissible à l'homme. Et la dernière question, la mononucléose est-elle transmissible? Est-elle transmissible? D'après vous, Hop, on va attendre encore un petit peu, histoire que ça vous permette de réfléchir et qu'on voit un petit peu vos retours à ce sujet. Alors, n'hésitez pas encore, allez, petit effort encore, voilà, j'ai, on dit j'ai, alors, voilà, non, effectivement, la mononucléose, non, ce n'est pas transmissible à l'homme. Allez, une autre petite question, la parvovirose, est-elle une maladie parasitaire, virale ou bactérienne? Ce qu'il faut savoir, c'est une maladie qui est très contagieuse, fréquemment mortelle chez l'animal. Voilà. En général, le symptôme de cette maladie, c'est une gastro-entérite hémorragique. Voilà. Donc, je vous laisse ce petit imaginer la contagion, le symptôme que cela représente chez l'animal, les dégâts que cela représente. Est-ce que vous êtes capable de me donner une réponse? Est-ce que c'est parasitaire, viral ou bactérienne? Vous mettez 3 avec A, B ou C, comme ça on va savoir tout de suite ce qu'il en est. Un petit peu, voilà. J'ai du B. Alors là on me dit du B. J'ai du parasitaire. On me dit que c'est du parasitaire. Hop. Alors, on va répondre, c'est du B, c'est viral. La maladie, c'est une maladie virale. Ensuite, la pyroplasmose, est-elle une maladie parasitaire, virale ou bactérienne? Pareil, vous mettez, on m'avait répondu A, ah oui. Donc là, la réponse 4, question 4, pardon, donc la pyroplasmose. Donc, c'est une maladie qui est encore très fréquente chez nous. Elle tue encore pas mal de chiens encore en France chaque année. C'est une maladie qui détruit les globules rouges de l'animal. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous êtes capable de me dire... J'ai un C. Là, vous me dites que c'est un C. C'est pour... Barbara, je ne sais pas si c'est pour la question 4 ou si on a un petit décalage encore. Donc... Donc voilà, ça va arriver. 4A. Ça y est, les réponses arrivent. Voilà, 4A. Effectivement, c'est une maladie parasitaire et elle est transmise par la tique, par la piqûre de tique. La leishmaniose, qu'est-ce que c'est comme maladie? Pareil, parasitaire, virale, bactérienne. N'hésitez pas à mettre 5 avec réponse A, B ou C. La leishmaniose, donc c'est une maladie qu'on trouve en général dans le sud de la France, hein, dans les températures un peu plus tempérées, voilà, les milieux humides, pour vous donner un indice. Alors, question 5. Alors, on attend encore. Oui, voilà, on a encore un petit décalage, mais ça va venir. Voilà, n'hésitez pas. La question 5. C. On me dit c'est la réponse. Joanne me répond la réponse C. On me répond la réponse A. C. C.
Ben, c'est la réponse A, parce que c'est une maladie qui est transmise par le moustique, donc le phléblotome. Vous en entendez parler chaque année, on entend de plus en plus parler chaque année en France, dit que les températures commencent à augmenter, surtout dans le sud de la France, mais là, on trouvait ça aussi, la Martinique et la Réunion ont été très très touchées à un moment par ce phénomène. Donc voilà. Là, je pense que là, ça, vous allez tous le savoir, normalement, la maladie de Lyme est transmise par quel parasite? Les puces, les poux ou les tiques? Alors, est-ce que vous êtes... Voilà, alors, n'hésitez pas à marquer 6 avec A, B ou C, hein, histoire que l'on sache. Il y a encore un petit décalage, nous sommes... Alors, si c'est ça y est, les réponses commencent à arriver. Barbara, oui, effectivement, la réponse est par la tique. Ensuite, ça va être la dernière question, je pense. Comment appelle-t-on une maladie inflammatoire de la peau qui entraîne une démangeaison importante ou prurite, ainsi que des rougeurs chez le chien? Est-ce que c'est une dermapite, un eczéma ou une dermatite? D'après vous? C'est un petit terme scientifique, un petit peu plus, mais c'est quelque chose qu'après, dans chaque corps de métier, vous allez entendre très, très fréquemment là-dessus, quoi. C'est une petite inflammation qui peut arriver à cause d'une, admettons, d'une piqûre de puce, des allergies. Ça en fait partie. On me répond, c'est une dermatite. Hop, c'est... Alors, on me répond A... la réponse A, c'est une réponse que j'ai complètement inventée, qui n'existe pas. Donc, c'est la réponse C, une dermatite. Voilà le terme qui est utilisé pour une maladie inflammatoire de la peau. Donc, c'était bien la réponse C, dermatite. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, vous avez participé à mon petit quiz. Je vous remercie d'être resté avec nous, d'avoir participé à ce petit quiz avec moi. On va continuer peut-être de répondre encore à certaines questions qui vont peut-être encore arriver. Donc, je vous souhaite, avec l'ensemble de l'équipe de Montaigu et du groupe Établière, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Nous espérons vous voir au mois de mars, à notre porte ouverte du 20 mars, le samedi 20 mars, qui va se présenter de peu près de 9h à 17h. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet au mois de janvier nos dossiers de candidature. Et puis, si vous avez besoin de plus amples questions à partir de là, à partir du mois de janvier, on essaiera de répondre aussi à toutes vos questions qui peuvent vous chagriner ou vous poser un problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et puis peut-être à bientôt. Alors, je reprends le micro 2 minutes parce qu'on a pas mal de questions qui reviennent souvent. Et du coup, je voulais refaire un petit point, histoire que ce soit bien clair. Alors, peut-on postuler sur plusieurs formations? Alors, on le déconseille fortement. C'est-à-dire que quand vous venez chez nous, il faut que votre projet soit défini et que vous sachiez où vous voulez aller. Par contre, pour la formation ACV et la formation métier d'animal de compagnie, c'est des formations, donc métier d'animal de compagnie, qui est complémentaire, on va dire, plus poussée. Et donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, si vous hésitez entre ces deux-là, c'est cocher la formation qui vous intéresse le plus sur le dossier de candidature et mettre en observation que si jamais vous n'êtes pas admise pour cette formation, vous êtes intéressé également pour la formation métier de l'animal de compagnie ou ACV. Par contre, il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander la formation éducateur canin et toiletteur canin. Ce n'est pas du tout les mêmes métiers, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut que vous sachiez, c'est important de savoir ce que vous voulez faire avant de postuler chez nous. Voilà, deuxième autre question qui est revenue très souvent. Est-ce que le montant, si vous mettez votre CPF, quel est le coût si vous mobilisez votre CPF? Donc là, pour nous, la mobilisation du CPF, le montant total de la formation, c'est considéré comme de l'autofinancement. Sauf si vous avez un complément de financement par Pôle emploi ou un autre organisme financeur extérieur. Mais si vous mobilisez juste vos heures CPF, le montant de la formation, ce sera le montant considéré en autofinancement.
Voilà. Dernière question. Si le financement est partiel, quel est le restant au niveau du restant à charge pour l'autofinancement? Est-ce que c'est adapté? Donc là, très clairement, oui. Le but, c'est que ce soit toujours pour vous intéressant, même s'il y a un financement partiel. Donc, admettons, je vais prendre un exemple qui, j'espère, sera plus clair pour vous. Admettons, une formation coûte 5 000 euros en autofinancement et 10 000 euros en financement extérieur. Si jamais vous avez, je ne sais pas moi, 7 000 euros de financement, qu'il ne vous reste que 3 000 euros à charge, on prendra le pourcentage du restant à charge de la même façon pour ceux qui sont en autofinancement complet. C'est-à-dire que si on passe de 5 000 à 10 000, c'est qu'il y a 50% de prise en charge de la part du groupe établière. Ces 50%-là, on les fera sur les 3 000 euros restants. Voilà. J'espère être claire, parce que ce n'est pas évident à expliquer, surtout en ligne comme ça. Souvent, je fais des petits schémas, je dessine des petites choses. Voilà, là, je ne peux pas. Mais vraiment, le pourcentage qu'on fait, qu'on met sur la totalité du financement extérieur, on l'applique sur le restant à charge également. Donc, pour vous, de toute façon, même si vous avez un financement partiel, c'est toujours intéressant. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres précisions à faire. Moi, en tout cas, c'est celle que j'ai vue concernant ma partie. Voilà. Et puis, dernière petite précision au niveau du recrutement. Les dossiers à déposer, c'est maximum 15 jours avant la dernière journée de recrutement. Voilà, qu'on ait le temps de vous inscrire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre attention.